nouvelle année de podcast avec moi sur la chaîne Rose et Baldelaine. Tout d'abord, je vais faire les présentations vite fait puisqu'il y a beaucoup de nouvelles. Je suis Ludivine Rose, vous pouvez me retrouver sous le nom de Rose et Baldelaine Atelier sur Instagram, Les Aiguilles de Rose sur mon blog et Rose et Laine sur Ravelry. En tout cas, soyez les bienvenus. Je suis tellement contente de vous retrouver. J'ai passé une période de repos vraiment satisfaisante. Ça m'a fait un bien fou et je suis très très contente de revenir aujourd'hui reposée avec plein de choses à vous dire, plein de blabla. Et surtout, je vous souhaite tout d'abord le meilleur. Et je vous souhaite de trouver sur ma chaîne des choses qui vous font plaisir, du partage, de la bienveillance, des choses constructives et voilà, que vous soyez à l'aise et que tout le monde se sente bien et surtout qu'on passe encore une année ensemble créative. Ah, ça fait du bien de se poser et de pouvoir vous jaser de tout ça. Ça a été quand même long, j'ai pris un long repos, j'ai regardé ça, je me suis dit mais voyons, j'ai vraiment pris ça beaucoup plus large que d'habitude. Je prenais 15 jours, 3 semaines, là j'ai presque pris un mois, mais c'était nécessaire, j'avais besoin de couper avec les réseaux sociaux, j'avais besoin de me retrouver, de retrouver mes enfants, mon mari, de prendre le temps le matin de me lever, de traîner, de passer des journées en pyjama, pyjama chic hein, bien sûr, mais pyjama. Et voilà, de m'asseoir, de tricoter, de vivre ma petite vie créative de bohème. Non, je délire, mais je vous amène vraiment dans mon repos. Ça m'a fait du bien. En plus que ça a été quand même rock'n'roll, puisque pour la petite histoire, on a commencé les congés très bien. Avec mon fils qui a fait un court séjour aux urgences. Rapidos, hein, c'est que mon fils est un mini Pierre Richard en puissance. Il est gaucher et il est gauche, le pauvre. Et en fait, il est tellement... Autant il peut être très adroit de ses mains, autant que il lui arrive des accidents. Quoi. Et comme il veut aider, que je trouve très bien que les enfants se débrouillent, je lui ai offert un couteau, un épluche-légumes, un économe, en pensant que ce serait plus sécuritaire qu'un couteau. Hein, forcément, voilà, je voulais pas qu'il prenne le couteau, étant donné qu'il est déjà facilement maladroit. Et en fait, il s'est coupé avec l'épluche-légumes. Et c'était quand même sérieux, donc il a fallu lui mettre de la colle chirurgicale, c'est sur le bout du doigt, alors vous voyez, en plus il est gaucher sur son doigt, comme vous voulez qu'il fasse. Bon bref, ça a été, c'était la période du début des repos. Et en plus, il y a eu pas mal de choses, hein. Il a neigé, tout ça, bon bah ça fait pas mal d'activités à faire autour de nous. Mais je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, hein. J'ai bien profité, j'ai été extrêmement gâtée d'ailleurs au passage. Un énorme merci, vous pouvez pas imaginer à quel point ça m'a fait un bien fou. Je sais que vous pensez à moi, vous m'envoyez des commentaires et tout, mais enfin, je veux dire, j'ai été très gâtée. Il faut que je vous montre. Alors, il y a énormément. Alors, merci, merci beaucoup. Je sais même plus où donner de la tête, vous voyez, faut que je me réinstalle. J'ai tout réinstallé là, au milieu de ma cuisine, au milieu des casseroles, de la farine et tout. Mais on est bien, on est à l'aise, on est entre nous. Et je vais vous montrer un petit peu, j'ai reçu des cadeaux pendant ma période de vacances qui m'a fait un bien fou. J'ai vraiment apprécié et je ne suis pas forcément attachée aux choses, hein, j'ai quand même fait des déménagements outre-Atlantique. Et je veux dire, on vous prévient quand vous déménagez que c'est possible que le bateau coule et que vous perdiez toutes vos affaires. Hein. Donc en fait, je ne suis pas forcément attachée aux choses, hein, voilà. Mais j'ai quand même une certaine sensibilité et je suis sentimentale pour certaines affaires. Et notamment les affaires qu'on m'offre, qu'on m'a faites avec l'idée de vraiment me faire plaisir. Parce que des fois, on vous fait un cadeau neutre. Non, je rigole. Enfin bref, j'avais ce coussin à aiguilles moche, moche, moche. Regardez-moi ça. C'est pas terrible. Bon, en même temps, je pense que il est hyper pratique. C'est un coussin que vous pouvez coller sur un top de pot de confiture ou de pot, peu importe.
Vous pouvez le mettre dans un petit bol, c'est rigolo hein, quand même, ça fait un beau petit coussin. Mais là, vous voyez qu'avec mes aiguilles, j'ai des aiguilles pas terribles. Donc je trouvais qu'il était pas beau et je me disais, oh, ce serait quand même bien, il faudrait que je me fasse un petit coussin à aiguilles. D'ailleurs, on n'en a jamais trop. Et pour la couture, et pour la broderie, et pour le tricot, peu importe. Et finalement, écoutez, j'ai été super gâtée puisque j'ai reçu un coussin, merci Françoise, qui a été fait main et que je trouve adorable parce qu'on dirait qu'il est à l'ancienne, on dirait que c'est ma mamie qui me l'a fait. Ça me touche beaucoup parce que la dentelle est magnifique. Regardez, je vais vous montrer en détail la belle broderie. Alors, c'est magnifique. Je veux dire, la petite dentelle à l'ancienne, le tissu, tout. Enfin, je suis ravie, ravie, ravie. Je l'ai pas défiguré tout de suite. Je voulais pas mettre les aiguilles tout de suite parce que je me suis dit, je veux vous le montrer. Franchement, il y a du beau travail et c'est pas parce que je brode que j'apprécie pas de recevoir. Au contraire, je brode beaucoup, mais recevoir quelque chose fait comme ça, oh, ça a été... Voilà, ça m'a touchée énormément. Merci. J'ai eu une cure de chocolat grâce à une d'entre vous. Oh, merci, ça m'a fait tellement bien. Vous voyez, hein, je suis en forme et ça m'a fait du bien. Ça, vraiment, il fallait que je coupe. Et j'ai reçu aussi, oh, j'ai reçu des stickers, du matériel pour mon agenda. Ça c'est extrêmement pratique, c'est super, je sors, ça me met de la joie. J'ai été, comme je vous dis, j'ai été gâtée. J'ai reçu cette laine que je ne connais pas. Alors, c'est la Madeleine et Philibert. Je n'ai jamais testé, hein. Et regardez-moi la couleur. Ça fait un beau petit rose qui tire un peu sur le mauve. Bon, j'ai mis l'appareil un petit peu loin de moi, donc je suis obligée de bouger pour faire des petits focus. Mais c'est plus pratique comme ça. Voilà. Donc voilà, j'ai quand même. Voilà, je vais pouvoir faire des chaussettes. J'ai quand même eu pas mal de petites choses. J'ai été très très gâtée. Ça et quelques patrons que j'ai reçus en cadeau. Bref, c'est le grand retour et j'ai quand même fait des choses. Je vais vous montrer. Il y a des choses de dernière minute. C'est trop rigolo. Et il y a des choses que j'avais prévu de faire. Parce que quand même, hein, la vie va vite. Je sais pas si. Et c'est la raison pour laquelle j'avais besoin de couper avec les réseaux. Parce que c'était. Je voyais toutes les choses qui arrivaient, c'était toutes les mêmes. Et qui allaient très vite. Et, je veux dire, le temps qu'on finisse de lire un livre, il y en a 10 qui sortent et on n'a pas le temps et c'est trop d'informations et tout le monde fait le buzz sur un truc. Mais voyons, revenons un peu à nous et à l'essentiel et profitons quoi. Enfin, voilà, c'était mon idée. Donc ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la façon de faire. D'ailleurs, parlant de blabla, je vais continuer les podcasts, le podcast, comme ça, à vous présenter ce que j'ai fait, ce que j'ai tricoté, cousu, tout ce que j'ai fait pendant le mois. Mais c'est vrai que les petits vlogs, c'est super. C'est bien, de temps en temps, de vous amener comme ça, chaque semaine ou peut-être chaque jour dans mon aventure. Et je pensais que entre chaque podcast, c'était long pour vous, puisqu'il y avait des. J'avais des commentaires qui disaient qu'il y avait hâte de me retrouver, qu'il y avait hâte au podcast, c'était quand que je tournais et tout. Donc, j'ai pensé cette année essayer quelque chose. Je vais faire donc en début de mois le gros podcast et à la mi-mois, donc là ce sera mi-janvier, je pense vous amener comme un petit vlog. Vous amener avec moi pour vous montrer les projets que je suis en train de faire, vous amener dans mes journées. Alors, ce sera condensé sur une seule vidéo, un seul podcast, mais ce sera peut-être filmé sur plusieurs jours, sur plusieurs projets, hein. Ce ne sera pas au jour le jour, ce ne sera pas le lundi, le mardi. D'ailleurs, en passant, il y a ma copine Stéphanie, ma grande copine Stéphanie de La Fanette au Petit Pois qui a son podcast et qui elle fait cette façon de faire, c'est-à-dire qu'elle se filme sur plusieurs jours, elle vous
reprend une journée, elle vous reprend une autre journée. Et c'est extrêmement agréable puisque vous avez une dynamique, vous avez la lumière des différents jours. Parce que, bon, on s'entend quand on filme, hein, les exigences des gens qui regardent sont assez élevées. Il faut que ce soit de qualité, il faut que la musique vous plaise, il faut que la lumière soit top. Mais vous savez, on ne peut pas toujours être au top. On fait avec la lumière et cet hiver, c'est extrêmement gris. Hein, c'est toujours couvert. J'en parlais avec quelques-unes, on a toujours la lumière à la maison en ce moment, du matin au soir. C'est très sombre, donc on n'a pas tout le temps le matériel à disposition pour avoir les flashs. On n'est pas dans un studio de télévision. Et donc... c'est pas toujours évident, les musiques, eh bien, faut que ça aille avec, avec notre humeur aussi, etc. Donc voilà, et tout ça pour en revenir à la vidéo de la fanette qui vous prend sur plusieurs jours et je trouve ça très agréable. C'est pas du tout ça que moi je veux faire, je veux pas copier son podcast parce qu'elle le fait très bien, mais je vous amènerai dans un vlog pour vous montrer les projets que je suis en train de faire. Voilà, ça vous fera moins long que d'attendre un mois complet pour avoir le podcast. Parce que j'aime bien avoir des projets terminés pour vous faire un vrai podcast qui en vaut la peine. Voilà, ça c'est la période blabla. J'ai pris mon thé. Alors je vous dis pourquoi. Je vais tellement vous parler que je vais être sans voix après. Et je fais avec mon fils ce qu'on appelle le défi de l'eau. On s'est mis un défi de boire plus d'eau, de faire un peu plus d'exercice, donc il faut que je vous en parle, l'exercice. Bon bref, je vous en parlerai à la période couture, vous allez bien rire. Donc on fait le défi de l'eau et donc je bois, on s'encourage à boire plus d'eau et à la fin du mois on se fait des petits cadeaux. Donc je vous montre le cadeau que mon fils m'a fait. ça pendouille un peu, c'est un petit bracelet. Alors il est rigolo parce qu'il a fait ça, regardez. Il a fait ça tout seul, il s'est mis dans son coin, il m'a rien dit. Il a essayé de trouver des tutos, il a fait les nœuds comme il pouvait. Et voilà, il m'a fait un petit bracelet, puisque le défi de l'eau, c'est de boire plus d'eau, de s'autoriser une petite boisson gazeuse en fin de semaine, et pour des trucs, des événements, etc. Mais c'est vraiment de l'encourager à boire plus d'eau, puisqu'il a des soucis, vous savez, avec ses allergies, il a des soucis d'œsophage. Et beaucoup d'acidité, donc il faut qu'il fasse encore plus attention. Et du coup, le truc qui marche, c'est la carotte. Et avec un cadeau fait main à la fin du mois, eh bien, c'est gagnant-gagnant. Et donc du coup, ça c'était mon cadeau qu'il m'a donné en avance. Donc, je peux tricher, je peux boire du gazeux. Non, je rigole. Non, je tricherai pas. Je trouve que c'est bien pour les enfants, ça les motive. Voilà, et pour ma fille, je lui prépare des surprises, notamment pour son bulletin. Et j'espère qu'elle ne va pas regarder le podcast, parce que des fois, il regarde pour m'encourager. Donc, mais elle le sait, parce que je lui en ai parlé, mais elle ne sait pas tout. Donc, je vous montre, ceci est une poupée américaine. Donc, je pense que ça commence à se vendre en France. Il y a des grandes poupées comme ça. Celle-ci vient du Canada, celle de ma fille vient des États-Unis. Et c'est une poupée, ce qu'on appelle une poupée américaine. Si vous allez sur Pinterest ou sur Google, vous allez taper American Doll et vous allez avoir ce style de poupée. Donc c'est des poupées qui sont quand même grands, je crois que c'est 18 pouces, si je ne me trompe pas. Et vous voyez, c'est vraiment la petite bonne femme, quoi. Et ma fille est fan des poupées américaines. Mon fils a le gars poupée américain. Et celle-ci c'est la mienne, donc moi je trouve, enfin voilà, j'ai gardé une part d'enfant et je trouve qu'elles sont très chouettes. Donc vous voyez, elle a son petit col, sa petite robe, son petit legging, et donc je pense faire des habits. J'ai trouvé quelques patrons sur internet, je pense faire des habits pour ces poupées. Donc ça aussi, si ça vous intéresse que je vous en parle, je vous en parlerai, puisque peut-être que pour vos petits-enfants, vos enfants, vous avez... des fois envie de faire des choses et on ne sait pas toujours. Donc là on va faire une garde-robe tout au long de l'année, on verra des petits tricots, des choses comme ça. Ça c'est des choses qu'on va faire et on va bien sûr retrouver le format habituel du podcast avec tricot, crochet, couture, broderie, des petits trucs en plus. Et c'est donc parti pour le premier podcast de l'année 2021.
avec le tricot. Pour la partie tricot, j'ai réussi à finir un pull. Oh, faut que je vous en parle, il est magnifique, je vous le montre tout de suite. Ça a été vraiment le coup de cœur et j'ai tellement eu plaisir à le faire. Écoutez, c'est rare. Des fois, je fais des pulls. Au début, c'est toute l'excitation et puis ensuite, ben, ça retombe un petit peu et puis on a hâte de le finir et puis bon, du coup, ben voilà. Mais alors lui, je suis plus que ravie parce que j'ai eu extrêmement plaisir à le tricoter. J'avais hâte, à chaque fois que je le laissais, j'avais hâte de le retrouver. C'est le Falling Leaves de Strike Lisa. Alors vous voyez, il est comme ceci. J'espère que vous voyez bien. C'est vraiment de toute façon. Alors ne vous inquiétez pas, je vous le dis tout de suite. Si vous restez jusqu'au bout, vous verrez à la fin de la vidéo, je vais vous faire des zooms sur les choses que j'ai faites. Vous verrez des photos, etc. qui vont défiler. Je vous ferai ça en vidéo. Donc comme ça, vous pourrez voir le détail. Mais voilà, je ne vais pas passer à chaque fois les trucs, sinon on en a pour 3 heures. Voilà, donc ça, c'est le pull que j'ai fait dernièrement et qui a été très agréable à tricoter. Donc vous voyez, il se tricote du haut vers le bas avec des manches raglan et une bande de dentelle uniquement sur le devant. Il est extrêmement chouette à faire. Je vais vous montrer tout de suite la feuille du patron. En fait, c'est celui-ci. Le Falling Leaves. Voilà. Et encore une fois, vous trouverez le détail dans la description de la vidéo. Tout en dessous, je vous mettrai les liens. C'est vraiment chouette. Alors, c'est un pull qui est très surprenant. Donc, il existe entre la taille XS, S, M, L et XL. Et pour ma part, je l'ai fait, il me semble, en taille S. Je ne vais pas me tromper. Ou en taille M. Parce que son patron, il est très surprenant. Il est très très chouette. Je vous le redirai, mais il me semble que je l'ai fait en taille S par rapport au buste. Oui, c'est ça. Je l'ai fait en taille S. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que j'avais... j'ai pris le risque parce que je taille 38, parfois du 36, parfois du 38. C'est dur quand on est entre deux tailles, hein. Et j'avais uniquement 3 échevaux. Vous voyez, il m'en reste quand même une balle, enfin un écheveau presque complet. J'avais 3 échevaux de la laine amourée. Je vais approcher que vous puissiez voir. Voilà. J'avais 3 échevaux de la laine amourée, comme ceci. La couleur, elle est juste vibrante, hein. Franchement, je l'ai vraiment adoré, cette laine. C'est la sorte Flora. C'est 60% de mérino et 20% de soie et 20% de yak. C'était à la base, on m'avait offert 2 échevaux. Et j'en ai acheté un supplémentaire pour pouvoir me faire un tricot complet. Sachant que ça fait 365 mètres pour 100 grammes. En aiguille 3, 3,5. Bon. Le pull Falling Leaves se tricote en 3,5. Et donc, quand j'ai calculé, il fallait presque 1000. C'est 970 mètres. Oh, quand j'ai calculé, je me suis dit, j'ai pile le compte. Je veux dire en taille S. Ça m'embêtait de racheter un écheveau juste pour que quelques mètres. Et finalement, c'est très très surprenant puisque j'avais le bon échantillon à 2 mailles près. Hein, parce que l'échantillon qu'elle vous donne, c'est pas un carré de 10 cm sur 10 cm. Elle vous donne juste le nombre de mailles en largeur. Et à 2 mailles près, j'y étais. Donc, enfin, à 2 mailles, j'avais 2 mailles supplémentaires. Donc en plus, j'y étais large. Hein. Et finalement, heureusement, et j'ai pas utilisé tout. Et c'est ça qui est surprenant, c'est que franchement, j'ai fait. Alors là. Mais bon, tant mieux, hein, parce qu'il va impeccable. En fait, quand je l'ai tricoté, donc j'ai commencé le haut, j'ai mis les manches en attente, et j'ai continué un petit peu pour finir un écheveau complet. Et là, je me suis dit, je suis pas sûre d'avoir assez finalement. Parce que quand le pull
n'est pas bloquée, la dentelle, vous savez, ça se rétracte. Ça fait un petit peu fouillis. Et donc, quand je l'ai tricotée, je me suis dit, oh là là, ça va finir encore pour ma fille. Parce que je crois qu'il va être trop petit. C'est pas grave, je le termine parce que j'ai du plaisir à le faire. Quand on arrivait, alors déjà, c'était tout le jersey, tout le reste. Et devant, c'était la partie dentelle qui va tellement bien faire, qui est tellement facile à retenir, que ça t'est vraiment du plaisir. Et ça montait vite. Et là, je me suis dit, je vais pas avoir assez. Donc, ce que je vais faire, et c'est la première fois que je fais ça, je tricote les manches. Donc, j'ai tricoté, j'ai laissé le bas du... J'ai laissé le pull à ce niveau-là. Et j'ai tricoté les manches. En me disant, comme ça, ce qui restera, ben, ce sera pour le pull. Sachant quand même, il m'en restera un petit peu. Donc, j'ai fait les manches. Alors, tout de suite, il faut que je vous dise, les manches, j'ai pas aimé la façon dont elles préconisent de faire le raccordement quand on remonte les manches en bas. Ça m'a laissé un petit peu de jour. Et sur l'autre manche, j'ai fait à mon idée et là, j'ai pas eu de jour. Donc, moi, j'ai pas suivi ce qu'elle a dit. Et ensuite, pour ce qui est des manches, elle vous dit de raccourcir, elle vous dit de faire temps de diminution et j'en ai fait vraiment, je crois que j'ai fait que la moitié parce que je me suis dit non mais je vais avoir les bras hyper serrés quoi, c'est pas possible. Donc j'ai modifié ça, faudrait que je vous le renote, j'ai pas fait toutes les diminutions qu'elle préconise pour les manches et je n'ai pas fait non plus la diminution au niveau de la forme cintrée. Vous pouvez faire le pull tout droit, vous pouvez le faire un peu cintré, et ça je ne l'ai pas fait parce que je ne voyais pas vraiment l'intérêt. Donc voilà, c'était pas forcément mon... Voilà, c'est pas mon truc quoi. Si c'est trop cintré, j'avais peur que ça me boudine devant. Bon, bref. Donc voilà, j'ai juste modifié ça. Alors pour les manches, franchement, j'espère être au bout des manches, mais c'est pas grave parce que de toute façon, je suis tout le temps en train de retrousser les manches, hein, toujours les mains dans l'eau, donc... c'est pas très grave, mais cela dit, j'ai eu assez, j'ai même eu trop. Sur 3 échevaux, j'en ai utilisé 2 et un tout petit peu du troisième. Allez comprendre, avec le bon échantillon. Alors peut-être qu'elle a mis large, alors c'est très très large hein, pour la taille, elle a noté large de laine, pour être sûr de ne pas en manquer, alors là vous êtes sûr de ne pas en manquer. Ben bref, je compte le refaire, pas tout de suite, mais j'aimerais bien le refaire, avec une autre laine pour voir, parce que c'est en aiguille 3,5. Ça va quand même assez bien, et franchement, il est très très joli, j'aime beaucoup la dentelle, alors j'aime beaucoup la couleur. Et vraiment, et je l'ai fait un peu plus long que ce qu'elle disait, parce que j'aime bien que ça descende, sur la taille. Hein. Je sais pas. Voilà, vous voyez, si je le mets aux épaules, il descend quand même... Il descend quand même bien au niveau des fesses. Voilà. Donc ça a été le projet. Oh, le projet que j'ai adoré faire. Le raglan, c'est hyper bien la façon dont elle vous l'explique. Comment le faire. Ça va tout seul. J'ai fait les rangs raccourcis pour le cou. Je ne suis pas sûre que je le referai non plus. J'ai trouvé dur au niveau du raccord après. Puisque vous tricotez normalement au point mousse le col. Et ensuite vous faites... des rangs raccourcis pour allonger un peu le cou derrière. Enfin bref, il est juste magnifique ce pull. J'ai trouvé très agréable. C'est un modèle payant et je l'ai eu sur Ravelry et franchement je ne regrette pas. Il est très très bien. J'ai adoré, j'adore la texture, la couleur comme ça. C'est la couleur safran je crois. Je vais vous dire, puisque j'ai commencé à me faire... Je pensais jamais me faire ça. Mais j'ai regardé le podcast de Les Cocottes prennent le thé. Et elle a un carnet de couture. Et je me disais, mais ça a vraiment du sens son carnet. C'est bien, elle fait des croquis et tout. Et ça laisse une trace. Et finalement, vous voyez, pourquoi je m'étais dit, moi, j'aurais pas le truc. Autant j'adore mon agenda, autant que là, je sais pas, je trouvais que ça faisait trop d'écriture et tout. Et finalement, avoir fait ce pull là avec la dentelle, avec le voilà, j'ai tellement eu plaisir et la laine et tout, je me suis dit il faut que je me laisse une trace pour la prochaine fois
que je vais le faire, me dire, ben voilà, j'ai utilisé telle laine, j'ai utilisé telle aiguille, qu'est-ce que j'en ai pensé, j'ai trouvé que au niveau des manches c'était peut-être un peu juste, au niveau des... voilà, toutes les réflexions que je me suis faites, ben finalement je me suis commencé non seulement un carnet de couture, mais un carnet de tricot. J'avais des beaux carnets que j'avais trouvés, un carnet comme ceci, j'avais trouvé sur chez Noz, je crois. C'est rare, je crois que c'est la seule fois où je suis allée chez Noz. Et j'ai même pas enlevé les étiquettes, c'est pas bien. Et j'ai commencé ce carnet, je m'étais dit ce carnet je le garderai pour un projet spécial, et ben voilà, donc j'aime pas les étiquettes derrière, ça fait super cracra, bon bref. Et il est trop mignon, regardez, c'est des petites chaussettes avec des petits lamas et des petits chevreuils dedans. Est-ce qu'il va focusser? Oui, là. Des petits chevreuils, des petits lamas. Je trouve trop beau. Et donc j'ai commencé à faire ce carnet avec, avec le détail de ce que j'ai tricoté. Donc, bon, c'est mes petites notes à moi, quand est-ce que je l'ai commencé. Alors le patron, vous voyez, m'a coûté 5,44€. Le patron de ce pull, Falling Leaves. Je l'ai fait en taille S. Pourquoi je dis que je l'ai fait en taille S alors que je l'ai fait en taille... J'ai marqué taille M. Je me suis complètement plantée. Là, ça commence bien, vraiment. Donc, je l'ai fait en taille S. Hein, je vous confirme que je l'ai fait bel et bien en taille S. Et que j'ai pas utilisé mes trois échevaux. Donc, ça, c'est des notes. Ça me donne une idée pour la laine. Quoi commander, etc. Donc, je ne vais pas vous refaire le topo sur les carnets de tricot et de couture. Il y a tellement de personnes qui en font. Mais voilà, je trouve que c'est sympa, j'ai commencé ça et finalement ça me permet de garder une trace. Des fois je fais des choses et j'oublie complètement ce que j'ai fait. Alors pourtant que je me dis, non mais je m'en souviendrai, non mais c'est bon, c'est noté. Et finalement en vieillissant, bah, je crois que c'est comme les courses, on a besoin de faire une liste. Donc voilà, ça c'est mon carnet, celui-ci c'est mon carnet tricot et celui-ci c'est mon carnet couture. Un carnet que j'ai eu chez Action. Il y a quelques temps, donc vous voyez, normalement c'est pour faire un journal, et donc j'ai fait mes petits carnets. Alors voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce pull, vraiment très agréable, j'espère qu'il est assez chaud quand même, il y a de la soie dedans, donc ça devrait être quand même assez chaud, il est très très doux, et franchement la laine, c'était la première fois que je tricotais de la laine amourée, mais alors là, je suis vraiment, sans mauvais jeu de mots, je suis vraiment en amour. Donc voilà. C'est juste parfait. Et ça, c'était mon projet, vraiment le gros projet que j'avais envie de terminer. Et j'ai commencé d'autres pulls. Oh, je vais vous en parler. Il faut que vous reveniez le mois prochain. J'ai d'autres trucs à vous montrer. J'ai aussi tricoté les chaussettes. Hein. J'avais commencé plein de paires. Et j'ai continué donc mes chaussettes. Et j'ai juste fini une seule paire, puisque donc j'ai mis mes priorités ailleurs. Et j'ai tricoté avec cette balle de laine qui était de la Zigzag de la marque King Cole. Et le coloris, c'était Autumn Glory, la gloire de l'automne. Et donc j'ai fait des chaussettes quand même assez de bonne taille, je trouve. Voilà. Qui se tricotent en auto-rayante. C'est du tricot repos. Vraiment. Ça fait du bien, c'est juste, vous n'avez juste qu'à tourner, enfin, tricoter en rond, quoi, c'est, à part pour le talon, mais je veux dire, ça va tout seul, donc voilà, c'est quand même des super jolis coloris, si vous voyez bien, j'ai vraiment, écoutez, j'ai même pas fait attention si on voyait bien les couleurs, je suis peut-être un peu loin quand je fais ça, je vais m'approcher, regardez. Et les petits coloris qui se suivent. Et vraiment, vraiment, je suis contente. Contente puisque j'ai pu partir aux mêmes couleurs et finir sur la même teinte. Voilà. Donc elles sont vraiment pas parfaites, mais
les couleurs se suivent bien pour les deux. Laver, alors laver, ça a été très surprenant parce que je ne pensais pas, c'est quand même du super roche. Donc je ne pensais pas, je les ai lavés à la main bien sûr. Et que je ne vous dise pas de bêtises, c'est du super roche cool avec du nylon. Donc je me suis dit, bah, c'est... Voilà quoi, comme n'importe quelle autre chaussette. Et en fait, elles ont dégorgé un petit peu de couleur au niveau du bordeaux et du orange. Donc faites attention, si vous avez ce genre de laine, ben en fait moi je les ai lavées à la main pour la première fois, trempées toutes seules, et heureusement puisque elles ont quand même dégorgé. Et vous voyez que sur une balle de laine de 100 grammes, il en reste pas mal, donc je vais pouvoir faire d'autres chaussettes. Alors, j'ai même pas pesé combien il en reste. C'est 420 mètres par 100 grammes, et il m'en reste pratiquement la moitié. Donc voilà, ça a été les tricots chaussettes terminés. Mais j'ai fait les autres chaussettes. Alors j'ai d'autres chaussettes, je vais vous montrer ça. Tadam ! J'ai sorti les sacs. Oh, les sacs, on n'en a jamais assez. Puis je vais vous dire, j'attends juste d'avoir... j'ai commandé du coton et du lin et j'attends juste de l'avoir pour terminer des sacs à projet. Puisque j'aime bien mettre un projet par sac et là, j'ai vraiment besoin de sacs. Donc voilà, alors dans ce sac, j'ai continué, alors j'ai pas terminé, vous voyez j'avais tricoté avec cette laine, je vais m'approcher un petit peu, j'avais tricoté avec cette laine la première chaussette pour vous faire un petit tuto, vous savez dans les petits vlogs, je vous avais fait un petit tuto comment je montais ma chaussette, etc. Et donc j'avais terminé cette chaussette là, mais je n'ai pas, j'ai pas fait la deuxième, j'ai juste terminé cette chaussette que j'adore tout simplement. Trop trop belle, la couleur est jolie et vraiment c'est satisfaisant les auto-rayons puisque vraiment vous avez ce mix de couleurs auquel vous ne pensez pas forcément et vous avez le tricot tranquille. Donc il y a cette paire que je dois terminer et il y a cette paire, alors on reste dans le thème marin, avec l'autre laine que j'avais envie d'essayer. Oh, j'ai pas le label. Enfin bref, je vous l'avais présenté dans le vlog, cette laine-ci qui est un petit peu c'est de la Rowan. Non, je vous dis des bêtises, c'est de la Foam Fusion. Je vous dis complètement des bêtises, de la Foam Fusion. Vous voyez ? Je pense que vous avez le dégradé de couleur. Elle est super jolie. Et voilà ce que ça donne pour la chaussette. Je vais vous le passer sur un bloqueur. C'est de la Foam Fusion. Elle n'existe plus. Elle ne se fait plus. Ils l'ont discontinuée. C'est trop dommage parce qu'elle était vraiment, elle est vraiment belle comme laine. Elle fait un petit peu rustique, mais je suis sûre qu'au blocage, elle va être toute douce. Voilà ce que ça donne. Elle est trop jolie. Si je vous l'approche, peut-être pour vous montrer le détail. Vous voyez un petit peu, ça fait, on dirait arc-en-ciel, ça c'est les coloris. Voilà, vous voyez un petit peu le dégradé, on le voit bien. Donc elle est vraiment chouette à faire, vraiment chouette à tricoter, encore une fois c'est du zéro cerveau comme on dit. C'est vraiment très très agréable. Mais c'est dommage, elle est discontinuée, j'en avais deux balles de laine je crois, deux balles de couleurs différentes. Et voilà, donc du coup... je vais les terminer, mais voilà ce que ça va. Si vous arrivez à en grappiller. Alors malheureusement, avec les conditions actuelles, c'est plus possible de commander en Angleterre pour le moment. Donc c'est bloqué et c'est dommage parce que c'est là que je les ai eues. Et eux, je pense qu'ils en ont encore quelques balles. Donc voilà, ça c'est les chaussettes que j'ai faites. Hein, il faut que je fasse les doubles hein, maintenant, leurs petites copines, pour terminer ces paires-là. Mais c'est ce que j'ai fait quand même durant mon repas. Et puis, pendant mon congé, j'en ai profité pas mal pour regarder des podcasts. En même temps que je tricotais, que je cuisinais, j'avais envie de quelque chose. Alors, j'ai fait des super découvertes. Je me suis fait un grand marathon de podcasts. Attendez, je pourrais un petit peu monter. De podcasts. Et puis, pour continuer dans le tricot, eh bien, en fait, pendant ma période de congé, j'ai... regarder des podcasts.
J'ai fait des découvertes, j'ai regardé des podcasts que j'adore. Et en fait, j'ai découvert notamment Oli et Bella, que j'ai connu par Jules sur So Sweet Violet. Et en fait, dans Oli et Bella, en fait, c'est une maman qui a trois enfants, qui tricote, qui fait du crochet, qui fait de la couture, pas mal de petites choses. Et elle est très très agréable à écouter. Alors, je vous le dis tout de suite, les podcasts que j'ai découverts et que j'ai regardés sont en anglais et en suédois, mais sous-titrés en anglais. Donc, je vous ferai une petite liste des podcasts que j'aime regarder et que j'ai découverts. Notamment donc le Oli et Bella, qui est donc c'est une anglaise. Pourquoi j'aime beaucoup regarder les anglaises? Parce que je trouve qu'elles sont reposantes. C'est toujours positif, c'est toujours constructif et ça me parle, c'est l'univers que j'aime et j'ai l'impression d'être à la maison quand je les regarde, donc voilà, c'est pour ça. Et donc en fait elle explique qu'elle a commencé une memory blanket avec des mini échevaux qu'elle reçoit d'un abonnement. Et j'ai trouvé que c'est vrai que c'est très agréable de faire la memory blanket. D'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai terminé. J'avais commencé il y a quelques années une memory blanket qui se présente comme ça. Et en fait, je l'ai arrêtée parce que je trouvais qu'elle n'avait pas de sens pour moi. C'est drôle à dire, hein, mais c'est des petits écheveaux que j'avais mis et un petit peu comme ça au hasard, et elle est rigolote. Mais voilà, ça me ressemblait plus, c'était un peu trop coloré comme ça. Et ma fille trouvait que c'était super pour faire une couverture pour sa poupée. D'ailleurs, je peux vous montrer. Quand vous regardez, vous avez la poupée et vous avez la couverture. Vous voyez que ça tombe juste bien. Hein. Donc je l'ai terminée, j'ai fini le dernier carré, ce petit carré violet comme ma fille adore le violet. Et je lui ai dit, bah tiens, t'auras une petite couverture pour ta poupée et c'est chouette. Donc elle est super contente d'ailleurs, elle a hâte de la voir, elle attendait d'avoir le podcast pour récupérer la petite couverture. Mais dans Oli et Bella, elle expliquait que la taille idéale, selon une autre encore podcasteuse, que c'était de monter 50 mailles. Vous voyez les carrés, vous montez 50 mailles, vous mettez un marqueur au milieu des 25 mailles de chaque côté, et quand vous arrivez avant le marqueur et après le marqueur, vous faites des réductions pour que votre ligne se retrousse et vous donne un carré. Je vais vous montrer puisque j'ai donc suivi son conseil et j'ai commencé ici, j'avais monté 40 mailles pour donner un carré. Et là, j'ai donc suivi l'idée dans Oli et Bella de monter 50 mailles. Et pour ça, en fait, j'ai utilisé un calendrier de laine que j'avais acheté il y a peut-être déjà 2 ans. Et donc du coup je me suis dit, bah je savais pas trop quoi en faire, le patron qu'elle donnait avec c'était comme une espèce de grande écharpe et ça me plaisait pas trop, mais la laine était très belle, donc j'avais dit bah je ferai quelque chose un jour avec et voilà, ça tombe juste bien, je vais vous montrer un petit peu. C'est de la laine qui vient de Norvège. Je vous dirais de faire attention si vous commandez en Norvège puisqu'il y a des frais de douane et c'est très surprenant hein, parce que on dit qu'on est en Europe mais non, il y a des frais de douane. Et donc ça peut être la surprise. Cela dit, la laine est chouette, c'est de la laine rustique, mais pas tout à fait puisqu'il y a de la laine et dans celui-ci il y a du polyester. C'est de la Trollfjord Sock, c'est de la Fjord Fibers. Donc je vous montre un petit peu, ça c'est le gros écheveau que j'avais eu, c'est de la laine à chaussettes. Ça c'est le gros écheveau qui est magnifique. Et voyez, vous avez le label, si ça vous parle. Et hop, vous voyez les couleurs. Donc j'ai juste hâte de la tricoter pour en faire des chaussettes. Je pense que avec ça, on va en faire des bonnes grosses chaussettes. Hein. Et j'avais eu les 24 mini échevaux. Je vais vous montrer un petit peu ces petits échevaux. J'ai tout mis dans un vieux sac en papier. Vous avez en fait différentes couleurs qui vont plus me ressembler maintenant. Et vous voyez du brun, du vert, vous avez des petites pêches, vous avez du rose. Vous avez du bleu, vous avez du jaune, enfin vous avez les couleurs pleines
Et vous avez les couleurs avec juste des petites touches, des speckles, des... Voilà, vous avez juste des petites... Vous voyez, tout en... sur un jaune. Vous pouvez partir du jaune à un jaune un petit peu plus atténué et un autre encore un peu plus atténué. Vous voyez qu'ici, il y a du brun. Si vous prenez celui-ci, ça va matcher parfaitement puisqu'il y a le jaune et il y a du brun dedans. Enfin bref, c'est une jolie suite. Et vous avez du vert, du bleu. Bref, c'est des beaux petits écheveaux. Et je me dis qu'ils sont super pour faire une memory blanket puisqu'il y en a 24. Je ne sais pas la taille que ça va donner. Mais en tous les cas, c'est parti avec ça. Alors, j'ai suivi le conseil donc, de Oli et Bella et j'ai monté 50 mailles. Vous voyez, quand vous montez aux 50 mailles, hop, après vous avez votre petit carré. Vous voyez, la taille est beaucoup plus grande que sur les carrés ici. Donc c'est une taille vraiment idéale si vous voulez pour faire une couverture, pour pas que ça vous semble trop long, mais pour que ce soit vraiment des petits carrés. Alors j'ai commencé avec cette couleur. J'avais envie de rose. Et vous voyez, il y a du rose, du brun. Vous voyez un petit peu. Et voilà ce que ça donne quand c'est tricoté. Vous voyez là, au milieu, j'ai gardé le marqueur. Vous voyez au milieu ce que ça donne. Et le petit rose brun qui est bien parti. Donc voilà, mon objectif c'est quand même de faire quelques carrés de temps en temps. Peut-être pas régulièrement, mais je me dis si je fais un carré par dimanche par exemple. Ou un carré par samedi. Allez, je prends mon petit déjeuner. Et j'aime bien le week-end. On prend le petit déj. Et je bois mon thé, je me fais un réchaud, petit réchaud, c'est je rajoute de l'eau chaude dans mon thé et je prolonge un petit peu ça et peut-être tricoter un petit carré comme ça pourrait être très sympa. Ouais, je pense que ça va être le programme pour l'année, donc me faire un petit carré de temps en temps comme ça à rajouter et peut-être je filmerai pour vous montrer comment on fait un carré et comment on les raccorde, comment on raccorde les carrés puisque vous venez remonter les mailles, hop, pour faire vos carrés qui soient joints directement. Donc ça, c'est un projet que j'ai commencé et qui est en cours. Et ensuite, je vais vous parler des petits gilets tricotés de Poppy. Poppy, c'est la poupée en lin que j'ai créée l'année dernière. Ça fait drôle déjà de dire ça. Ah, ma petite Poppy. La voilà. Donc Poppy, j'aime lui faire une garde-robe, vous le savez, hein, vous pouvez trouver différentes tenues sur Makerist. Et pour finir, des restes de laine, puisque c'est mon objectif de terminer des choses de mon stage et surtout de bien réfléchir à ce que je fais avec, puisque avec ma copine Stéphanie, la fanette au petit pois. Coucou Steph. Eh bien, on a décidé de... Alors, ça s'appelle un no-buy, mais c'est pas vraiment un no-buy, parce que tout le monde fait le no-buy maintenant, hein. Je veux dire, on se dit qu'on n'achète pas. Bien sûr qu'on ne peut pas ne pas acheter, franchement, je veux dire, quand on a un coup de cœur, ou pourquoi se priver, hein, je veux dire, c'est dommage. Mais le but, c'est d'économiser, de se dire non, non, mais là, finalement, j'en ai pas besoin, tout de suite, je ne vais pas racheter tout de suite, parce que je vais déjà utiliser ce que j'ai, c'est sûr, mais je voudrais surtout économiser pour me faire des beaux cadeaux. C'est-à-dire, par exemple, je rêve de me payer de la laine de Mr. and Mrs. Rabbit. Je rêve de me payer un kit de chez le nom m'échappe, mais ils font des magnifiques kits de couture. C'est aussi en Angleterre, mais je rêve aussi de me payer par exemple une boîte Monasso, pardon. Voilà des choses qui ont un coût. J'ai envie de me payer un très beau tissu qui coûte un bras. J'aimerais, tant qu'à m'acheter plutôt un écheveau par-ci, un écheveau par-là, parce que bon, voilà, on essaye d'équilibrer ça, économiser pour m'offrir 6 écheveaux d'un coup. Allez hop, soyons fous. Non mais c'est une image, mais c'est pour vous dire, voilà, on économise et à la fin, moi j'ai fait ma liste de ce que j'avais envie de m'offrir et ça me motive parce que je me coche les journées
où je n'ai rien acheté et aussi où je me motive pour utiliser les choses que j'ai. Hein. Je me suis dit, après tout, j'adore la broderie et je crois que c'est sans fin en fait. Tout est sans fin. Les tissus, la broderie, le tricot, tout est sans fin. Et à un moment donné, il faut se mettre une limite. Et je me suis dit, je vais déjà plutôt que de craquer, je vais me retenir de craquer sur des choses. Je vais essayer d'utiliser déjà les choses sur lesquelles j'avais à craquer et que j'utilise peu et que pourtant sont très très belles et que j'aime. Donc voilà, ça c'est l'objectif de notre No Buy. On tient le coup, on tient le coup. C'est bien, on a toujours hein, des pubs, enfin voilà quoi. Bien sûr, on va être obligé de se faire plaisir de temps en temps et de faire des coups de cœur forcément. Il y a des fois, on tombe sur une occasion, mais plutôt que de m'acheter des tissus en solde parce qu'ils sont en solde et que je les trouve beaux, c'est vrai qu'il faut profiter des soldes. Mais après, je ne sais plus à quoi les associer, moi, ces projets. Donc, je veux réfléchir à mieux consommer. Donc, voilà pour le No Buy. Et donc, tout ça pour en revenir à ma petite Poppy et à ces gilets tricotés qui me permettent d'utiliser bah, des restes de laine fingering, de laine de drops alpaga, de, voilà, toutes ces laines-là. Et donc, bah, je vais vous faire la farandole des gilets. Je vais vous montrer ça, j'ai plusieurs gilets. J'ai créé un... En fait, c'est comme si on rentrait dans la garde-robe de Poppy. Et que vous y trouviez plusieurs gilets. J'ai fait 6 modèles différents dans un même patron que vous pouvez retrouver sur Makerist. Ces patrons, vous avez le gilet avec la dentelle en bas, le gilet avec une petite dentelle en haut, vous avez le gilet avec une petite broderie simple, mais vraiment très simple. Hein. Sur le haut, comment ajouter une petite touche, sur un bas, vous avez un gilet texturé avec des nœuds, un autre gilet texturé avec des petits nœuds. Bref, vous avez 6 modèles et vous pouvez vous amuser à choisir soit vous faites la boutonnière en même temps, au point mousse, soit vous la faites après coup, en petite côte, vous pouvez faire des poches, vous pouvez faire des manches courtes, des manches longues, vous pouvez vous amuser vraiment avec ces patrons et créer la garde-robe de votre poupée. Soit dit en passant, cette garde-robe va aussi aux poupées Luna Lapin et Luna's Friends, donc tout la souris, le renard, etc. Ça peut très bien leur aller. Donc je vous montre un petit peu, alors j'en ai fait pour moi, j'en ai fait pour ma maman qui va recevoir des petits gilets, elle est toute contente puisque elle va recevoir ses petits gilets tricotés. Donc voilà, vous avez les petits gilets avec dentelle en bas. Alors, je ne sais pas si je reste comme ça, vous ne voyez pas trop. Hein. Donc je vais vous les approcher. Et comme je vous disais, de toute façon, à la fin, vous aurez un zoom, surtout j'ai fait des belles photos, donc je vous montrerai un peu les photos. Tout de suite, pour répondre à vos questions, j'ai tricoté en 3,5, en aiguille 3,5. Donc le bas du gilet, ça se tricote toujours de haut en bas. C'est toutes sont faites sur le même modèle. On commence par le cou, et on finit par le bas, on met les manches en attente, qu'on vient retricoter ensuite avec des aiguilles double pointe. Ça va donc très vite, ça va tout seul, c'est petit, c'est très mignon, je trouve que c'est ça permet d'utiliser vraiment les fonds de laine. On peut faire des rayures, on peut faire tout est possible. Et avant d'oublier, les petits cintres, je les ai trouvés sur internet. Vous pouvez en trouver sur Amazon, vous pouvez en trouver chez AliExpress. Voilà, c'est là où je les ai trouvés. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des petits cintres. Et en fait, ces petits cintres en bois là viennent de là. Voilà, vous avez ces petits cintres là. J'ai mis des petits labels pour ne pas oublier. Donc vous avez le modèle Paris, le modèle Londres. Voilà, vous voyez que c'est la même, c'est deux laines différentes mais le même patron. Et vous avez deux rendus complètement différents. Vous avez de l'alpaga et vous avez de la DMC Woolly. Vous voyez, avec les mêmes aiguilles, deux patrons différents, deux modèles différents. Donc ça c'est avec la dentelle sur le haut. Vous avez avec les petites textures, avec plusieurs boutons ou un seul bouton. Alors après vous pouvez vous amuser avec les boutons, hein. C'est super. Vous voyez les petits boutons, vous avez alors les textures, vous voyez c'est texturé. Et je vais vous montrer de près. En fait, c'est des petits nœuds faits avec des fils de laine, tout simplement. Voilà. Donc, hop, vous avez les petits points texturés.
Vous avez les petites nopes. Oh, les petites nopes, je me suis amusée. Manches courtes, manches longues. Avec les petites nopes. Voilà. C'est trop rigolo. Des mini gilets, c'est vraiment mignon. Voilà, vous avez aussi avec, donc comme je vous disais, deux broderies. Très très simple. Pas faire paniquer tout le monde. Je me suis dit, on va rajouter deux petits points de broderie. Donc vous avez le point de broderie avec les petites étoiles. Voilà, sur la petite couleur. Vous voyez ici en bleu, on ne le voit pas trop en bleu. Mais vous le verrez mieux sur les photos. Et vous avez aussi le petit gilet tricoté tout entièrement en couleur pleine. Et vous ajoutez une petite... Alors ici j'ai pris du coton, une petite broderie en coton coloré. Voilà, ça c'est Madrid. Vous avez la petite broderie. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais au bouton, je me suis amusée. J'ai mis des fils colorés sur les boutons. Si on voit... On ne voit pas très très bien. Vous le verrez vraiment sur les photos. Donc, j'ai mis du fil orange, fil vert, fil fuchsia, voilà, en coton. Et voilà, donc vous avez là plusieurs petits gilets. Et donc, ça donne très très bien pour Poppy. Alors, je vais vous en passer un, je vais lui en mettre un. Je vais vous montrer ce que ça donne. Tiens, je vais lui mettre le petit gilet en nope moutarde. Et vraiment, c'est jouer à la poupée, hein. C'est voilà. C'est chouette, on peut les changer, les mettre selon l'humeur. C'est vraiment juste chouette de faire ça, puis ça permet vraiment de, si vous avez des petits enfants, de vous amuser, quoi. Voilà, donc hop, j'habille ma petite Poppy. Et voilà, le petit gilet avec le petit chemisier par-dessus. Hop. Voilà ce que ça donne. Les petits gilets pour les poupées. Et voilà pour le tricot, hein, ça fait pas mal de choses. Donc vous voyez, j'ai quand même bien travaillé pour le tricot, c'était chouette. Et... ça a permis de faire pas mal de petits trucs, surtout pour les enfants, pour ma fille, pour la Poppy, et puis vraiment prendre mon temps. Donc, voilà pour ce qui est de la partie. Maintenant, on va parler du crochet, et j'ai eu vraiment du fun à faire du crochet ce mois-ci, ou pendant mes vacances. J'ai vraiment eu des coups de folie. J'ai eu des coups de « ouais, parce que j'ai fini quelque chose et que j'avais hâte de passer encore à autre chose. » Et j'ai eu vraiment des « waouh », des super surprises. Et donc, je vais vous parler un peu de tout ça. Je vais commencer par le début. Parce que j'ai fait un petit truc. C'est un patron qui m'a été offert. Et donc, je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous chercher le... J'ai tout mis dans une boîte pour être prête. Et rien oublié, et tout est bien classé. Donc, dans mes patrons, j'ai eu la chance d'avoir quelque chose qui m'a été offert, qui s'appelle le Pattern for Crochet Girl and Accessories. C'est en anglais, mais c'est très facile à comprendre. Et ça se trouve sur Etsy, c'est le Crochet Girl. Vous avez différents modèles, hein, elle en a rajouté beaucoup, beaucoup. Moi j'ai le modèle de base et il y a deux, trois modèles dedans. C'est juste super parce que vous pouvez vous amuser. Il s'agit de faire un peu comme un... En fait, il s'agit de faire un portrait de fille. Et je me suis dit, ce serait cool de faire mon autoportrait en crochet. Et vraiment, ça m'a fait du bien. C'était pas sérieux, c'était pas la couverture, c'était pas quelque chose de... franchement utile, mais tellement le fun. Et j'ai fait mon autoportrait au crochet, regardez, c'était trop marrant à faire. Voilà, je vous montre un petit peu, c'est mon moi en crochet, en fait. Alors c'est juste merveilleux, la construction. Je me suis éclatée avec du coton, j'ai ajouté, donc j'ai mis les lunettes roses pour voir la vie en rose, j'ai mis la petite pince,
Les perles, le rouge à lèvres, la petite touche de Liberty, c'est juste, juste super à faire. Enfin, je veux dire, alors, on fait des morceaux et ensuite on les colle. Et ça, c'est fantastique parce qu'on gagne un temps fou. Et en plus, vous voyez, on les met derrière sur un bout de feutrine. Et donc après, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez coller sur un sac, vous pouvez le mettre sur un cadre, etc. J'ai pas encore trop décidé ce que j'allais en faire, mais c'est mon portrait, peut-être un sac, ce serait chouette, peut-être un cadre, enfin, je sais pas. C'est mon portrait en crochet que j'ai fait grâce au patron, donc Crochet Girl, que vous trouvez sur Etsy. Elle vous montre, vous voyez ici, vous avez un modèle, vous avez d'autres modèles à l'intérieur. Vous avez la base pour faire le haut, la tête et le cou. Elle vous montre comment faire les cheveux, vous avez regardé, c'est trop rigolo, avec les lunettes. Puis après, vous pouvez vous amuser, vous pouvez faire d'autres choses. Hein. Vous pouvez faire des lunettes simples, vous pouvez faire des lunettes à fleurs. Il y a plein d'idées. Elle en a sorti tellement que voilà, c'est juste fantastique à faire. Et ça a été vraiment la partie crochet qui m'a amusée. Tout de suite, au début de mes congés, j'ai fait ça. C'était trop rigolo. Je me suis dit, voilà, c'est juste amusant. Ça détend. Donc ça, le portrait, mon Crochet Girl... Il y a eu ça, j'ai fini enfin, et enfin j'ai fini la Woodland Blanket. Alors là, c'est celebration, hein, parce que franchement, c'était long. il reste pas grand chose. Si vous faites cette couverture, sachez que il y a des laines où vous allez arriver au bout. Il reste plus rien. Et il y a des laines où il vous reste un petit peu plus, ça vous permet de faire le tour. J'étais pas trop certaine de où ça allait, donc j'ai fait toutes mes balles de mes restes. Et j'ai pesé chaque balle pour voir laquelle avait le plus pour pouvoir avoir le tour complet, parce que finalement vous savez pas trop où vous en allez. Cela dit, je n'aurai pas l'Oscar de la meilleure bordure de couverture en crochet, puisque déjà il y avait tous les fils à rentrer, ça c'était une galère, donc j'ai pensé les mettre dans la bordure. Et c'était pas si chouette que ça. Et finalement, la prochaine couverture que je vais commencer de Attic 24, je vais rentrer les fils au fur et à mesure. Ça c'est sûr, parce que arriver au bout, on en a marre. Quoi. Et la bordure, bah, elle dit qu'elle fait une bordure toute simple, parce que ça permet de garder la vague dans le haut. Donc j'ai fait ça aussi, je vous montre ça. Je vais vous faire un grand paysage de la couverture, parce qu'elle est vraiment grande. Mais regardez, je l'ai terminée et j'ai fait la... J'ai fait un truc trop mignon et ça, vous voyez un petit peu le truc de l'influence que ça peut avoir, c'est que avec ma copine Stéphanie, la fanette au petit pois, vous allez voir, je parle beaucoup d'elle, mais c'est ma grande copine que j'ai et que je suis contente d'avoir. Et avec Stéphanie, on se parle beaucoup et elle fait des amigurumi, des petites poupées en crochet, des petits trucs que je trouve juste sensationnels. Elle est fan de ça et je trouve qu'elle en fait des très 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 jolies. Et en fait, elle m'a donné la piqûre. C'est vrai que je faisais des choses pour les enfants quand ils étaient petits. Et bah, en grandissant, on fait un peu moins. Moi, j'étais surtout fixée sur la couverture, donc je faisais un peu moins de toutou là pour les enfants. Mais en fait, ça a tellement évolué, les amigurumis, que quand j'ai vu ceux de Stéphanie, je me suis dit, oh wow, c'est quand même chouette et tout. Puis un jour, encore là, je sais pas laquelle doit remercier laquelle, si c'est Stéphanie qui doit me remercier ou si c'est moi qui dois la remercier d'être sur Pinterest, en fait, parce que on a beaucoup
pendant nos congés, profiter d'aller là-dessus et de fureter un petit peu, de regarder des idées et de se faire juste plaisir avec, avec les images. Et je suis tombée sur un patron. Et j'ai eu vraiment le coup de foudre. Et je vous montre un petit peu le patron. Il s'agit de Lamb Crochet Pattern. Regardez, que j'ai trouvé sur Etsy. C'est ce patron que j'ai découvert. C'est Marina Kolmikova, qui s'appelle aussi Little Owlet. Donc, petite chouette. Sur Etsy et sur Instagram. Et c'est juste magnifique. Oh, j'ai fait mon petit... Oh, je craque tellement, je l'adore. C'est mon petit mouton en crochet. Il est trop mignon, il a une expression vraiment chouette, il est... Oh, il est tout doux. Alors, elle préconise en crochet 1,5 points. C'est juste pas possible, quoi. J'ai dit non là, donc j'ai doublé, j'ai pris du crochet 3. Oui, parce que c'était trop petit, j'arrivais pas... Enfin, j'ai pas le fil pour ça, enfin si j'en ai, mais pas de ces coloris-là, mais franchement, c'était trop petit, c'est ridiculement rikiki. Et en fait, j'ai pris de la Drops, il m'en reste encore, donc j'ai pris de la Drops Alpaga ou Flora, et dans les coloris, ici ça tombe juste bien. Je l'adore. Alors, je lui ai mis le petit foulard en Liberty, et j'ai ajouté la petite clochette que j'ai achetée. La petite clochette, je l'ai eue sur la boutique Aux Merveilles, je vais vous en parler juste après, c'est une boutique que j'ai découverte pour la laine cardée. Et donc du coup, j'ai mis une petite clochette, il est juste mimi. Oh, faut que je vous montre de près, regardez son petit visage. Il est juste mignon comme tout. Oh, avec ses petites oreilles, on met du tissu, donc j'ai mis le même tissu Liberty que le foulard. Et les petites pattes qui sont trop mignonnes, enfin voilà quoi, c'est une façon de faire. Oh, le petit bonnet avec les nœuds. C'est trop chouette. Bref, je suis maintenant accro à ça, mais vous pouvez pas imaginer quoi. J'ai d'autres patrons de la même créatrice. Avec Stéphanie, on a fait la radia des patrons. Et j'ai juste hâte de faire la collection parce qu'ils sont trop mignons, ils sont trop satisfaisants, ils sont tout doux, ils sont... Oh là 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 là, j'aurais aimé les inventer tellement qu'ils sont beaux. Mais voilà, c'est juste parfait, c'est une belle création qu'elle a faite, et c'est de belles réalisations qu'elle nous permet de faire, c'est juste magnifique. Alors les patrons sont sur Etsy, moi j'ai acheté des yeux, donc j'ai pensé ne pas les broder cette fois-ci, mais j'ai acheté, où est-ce que j'ai mis ma boîte, j'ai acheté des yeux de sécurité, voilà, vous pouvez les trouver sur Amazon, et c'est dans des grandes boutiques, Mercerie, hein, je pense Rascol, tout ça, vous pouvez en trouver des petits lettres. Donc j'ai acheté des yeux de sécurité et c'est vrai que ça fait super joli. Mais à la place, vous pouvez les broder aussi, hein. C'est pas mal. Donc voilà, ça c'est au crochet, mes petites affaires que j'ai faites. Et donc j'ai d'autres, donc saurez-vous deviner lequel j'ai pour faire la prochaine fois. Parce que je crois que j'en ai 5 autres à faire. Donc saurez-vous deviner lequel? Tiens, ce serait rigolo. Vous verrez ça la prochaine fois, donc à continuer. C'est vraiment des petits trucs que j'avais. Ça c'est pour moi, hein. Ça c'est pour rester dans mon atelier, c'est pour moi. Mais cela dit, j'ai pensé que pour le défi de l'eau, je pense que j'en ferai pour mon fils. Ça va vite à faire. Vraiment, en une journée, vous avez votre truc de fée. Hein. Et je trouve que c'est tellement mignon que même sur une petite étagère à l'ancienne, là, ça peut être très joli. Donc je pense que je lui ferai des petits amis comme ça. Là. En laine, en crochet, ça va être très sympa. Donc voilà, c'est ce qui met fin à la période crochet, je pense. Oui, je vérifie autour de moi, mais j'ai plus de crochet, c'était pas mal tout. C'est déjà pas mal d'ailleurs. J'aimerais vous parler maintenant de la partie couture, puisque j'ai quand même quelques petites affaires. Je vous avais montré dans mon vlog, juste avant de partir dans ma période de repos, que j'avais des projets de couture. Est-ce que je les ai faits? Oui, je les ai faits. Avec des petites déceptions, avec des petites joies et avec des super trucs. Donc je vais vous parler tout de suite des super trucs. On commence par le positif.
Les super trucs. Oh, la poupée Marie de ma copine Stéphanie. Stéphanie, je suis vraiment contente de l'avoir rencontrée parce que, entre autres, hein, parce que vous, j'ai rencontré parmi vous des personnes super. Je veux dire, il y a d'autres Stéphanie, des Sylvie, des François. Je cite pas tout le monde à chaque fois, mais vraiment, on vit dans notre petit monde et c'est génial. Enfin, voilà, il y a des super personnes. Merci. Et donc, Stéphanie, ça en fait partie. C'est une personne que j'aime beaucoup. Et elle a sorti donc ses premiers patrons de poupées. Il y a Anne quelque chose, il y a Marie quelque chose. Et moi, j'ai craqué sur Marie. Stéphanie m'a permis de faire sa poupée Marie que j'adore. Vous avez vu le vlog, enfin, pas le vlog, la vidéo que j'ai dédiée spécialement à cette poupée, puisque j'y ai passé une journée et je me suis tellement amusée. Ça aussi, ça a été vraiment le coup de cœur de ma période de repos, de vraiment faire des choses sans réfléchir, de faire les choses des autres et mixer les tissus, les couleurs, c'est juste gratifiant. Et à la fin, vous avez du résultat. Et alors, celle-ci, c'est la mienne, c'est Marie-Charlotte. Et celle-ci, c'est la Marie de ma fille. Alors, je ne vous dirai pas le nom puisque je ne l'ai pas retenu. Hein, vous savez, les jeunes de maintenant, c'est des noms assez... des Marianae, je ne sais pas quoi, et c'est compliqué. Donc, comme ça change tout le temps, je n'ai pas retenu le nom. Mais c'est une Marie. Celle-ci, c'est pour ma fille puisqu'elle aime le violet et que j'ai fait des cheveux un peu fuchsia. Je voulais qu'elle en ait une aussi. Le patron de la maison Fanette est tout simplement génial puisqu'il est bien écrit, bien détaillé. Vous avez le pas à pas et je ne reviendrai pas sur la vidéo si vous voulez aller la voir et aller encourager Stéphanie, ne serait-ce que par un petit mot. Parce que faire un patron, ça prend énormément de temps. Vous ne pouvez pas imaginer parce qu'on est capable d'en faire des choses là. On est capable de se faire des poupées. Mais les mettre en patron pour les expliquer à d'autres personnes, c'est pas si évident. Parce que nous, on a notre logique, il faut qu'on pense aux autres, et puis nous, on peut bidouiller, hop, on bidouille, ça se voit pas. Mais quand on fait un patron, il faut que ce soit bien clair et que les choses se voient. Et donc, du coup, c'est pas toujours facile, et moi, je trouve que c'est tellement gentil quand vous nous mettez des commentaires positifs. Merci, parce que ça, ça fait du bien. Ça vraiment, vraiment, je vous le dis. Donc voilà, moi Stéphanie, ça a été mon coup de cœur sur Instagram, je l'ai rencontrée sur Instagram et je trouve que c'est de la vitamine, c'est juste de la vitamine. Elle, voilà, jamais elle a un mot négatif et ça, ça fait du bien. Et donc du coup voilà, j'ai fait ces maris, donc je reviendrai pas dessus trop puisque j'ai fait une vidéo dessus, mais en tout cas ça c'est la couture que j'ai faite ce mois-ci et que j'ai adorée et ça méritait d'être soulignée. Ensuite, j'ai cousu. Un truc que j'ai adoré faire aussi, je vais vous montrer, alors c'est le patron, c'est en anglais. C'est quelqu'un que j'ai rencontré aussi sur Instagram qui s'appelle Emma, qui fait de ce qu'on appelle le English Paper Piecing. Vous savez, c'est le jardin de grand-mère où on coud à la main les petits morceaux. Et elle a des patrons de couture d'objets qui sont super pratiques. Et donc je me suis laissée tenter et je me suis dit, bah, après tout, pourquoi pas, je vais aller encourager Emma et j'ai acheté le patron de son petit panier de rangement. Vous voyez ici, c'est le petit panier de rangement. Alors, c'est en anglais, mais c'est en pas à pas, en photo, avec quand même quelques petites complexités. C'est un patron payant et vous avez, enfin c'est pas très très complexe. Mais bien sûr, c'est écrit en anglais. Donc si vous ne connaissez pas l'anglais, c'est peut-être pas évident, ne serait-ce que pour la fourniture des choses. Après, les photos, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Je veux dire, c'est très très simple à lire. Et moi, je me suis éclatée à faire. Alors, j'ai fait le petit panier et j'aimerais faire le grand panier. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez un panier comme ça, avec la tissu à l'intérieur, le tissu extérieur, vous voyez le fond. Et vous avez chaque côté, alors je vais m'approcher parce qu'il faut que je vous montre un petit peu chaque côté, ce que ça donne. Vous avez, c'est un hexagone, vous avez 6 côtés. Et donc vous devez, sur chaque face, coudre les petites fleurs en hexagone, faire une broderie au centre, et ensuite coudre ça sur la face pour pouvoir l'intégrer dedans. Donc vous voyez, vous avez cette face-là. Et bien sûr, j'ai pris du Liberty, vous me connaissez maintenant, avec
mes petites broderies. Donc j'ai dédié un article de blog qui va sortir dans ce mois-ci uniquement sur ce petit panier parce que franchement, il est juste magnifique. Regardez. Hop. Petite face. Je vous montre ça. Et enfin, voilà. On a un petit peu tous les tons. Et regardez à l'intérieur. À l'intérieur, vous avez un mini fleur en hexagone. C'est le plus mini que j'ai jamais vu. Et vous avez des poches. Voilà, vous avez trois poches sur le petit panier. Sur le grand panier, vous pouvez rajouter des bandes pour glisser des crayons. Donc ça, c'est super pratique. Là, il est vide. Mais je vais vous montrer ensuite comment je le range. Donc je vous montrerai en vidéo comment je vais le ranger. Ça va être très pratique parce que alors, franchement, entre nous, voilà comment je range mon matériel. Ça fait pas très glamour. Hein, vous voyez, c'est un petit peu le chambard là-dedans. Et tout est mélangé. Il y a les crayons à colle, les fils, les aiguilles, tout ça, c'est un petit peu mélangé. Donc j'aimerais bien ranger ça, me faire le plus grand panier. Donc vous voyez le petit panier. Petit panier, ce que ça donne par rapport à moi. Et le grand panier, il est un petit peu plus grand. Donc ça peut être très sympa aussi. La chose que j'ai modifiée, c'est qu'elle préconise de mettre une espèce de mousse. Vous savez, une mousse vraiment fine, mais épaisse. Moi, j'ai pas mis ça. Là, j'ai mis de la Watts de Patchwork. Et j'ai mis aussi du thermocollant, mais vraiment rigide. Vous voyez, c'est très rigide. Et c'est mon thermocollant rigide et ma Watt qui remplace la mousse, puisque je n'avais pas la mousse plate là, je l'avais pas et que je suis en mode économie. Donc j'ai pris les moyens du bord et vous voyez que ça fonctionne. Et c'est juste génial. Alors c'est sûr que quand il y aura du matériel dedans, en même temps c'est pas très très lourd. Mais je veux dire, ça reste sur le bureau, hein, c'est pas quelque chose qu'on balade sans arrêt. Après, il est vraiment très 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 facile à faire et il se coupe presque exclusivement à la main. Il n'y a que la doublure à l'intérieur que vous allez coudre les morceaux ensemble à la machine. Mais sinon, tout est fait à la main. De la broderie, la couture des fleurs, ici en hexagone, tout est exclusivement fait à la main et c'est juste moment agréable à passer si on aime la couture à la main. Moi j'adore et je trouve que ça donne vraiment le cachet du fait. Voilà. Donc ça c'est juste chouette. Donc voilà, ça c'est un projet couture que j'ai fait aussi. Toujours en couture. Oh là là, j'ai fait un truc de dernière minute. J'ai fait un sac. Oh là là, j'étais désolée, mon fils a laissé son bonnet en laine dans son manteau, et j'ai ramassé le manteau, je l'ai mis à la machine, et le bonnet, il est ressorti feutré. Et là, c'est une catastrophe, il ne pourra plus y aller le bonnet, c'est sûr. Et donc, du coup, je me suis dit, j'ai un filet pour laver les choses en laine. Mais les enfants, ils font pas gaffe, moi non plus. Moi, je mets mes chaussettes en laine à part, mes pulls en laine à part, mais eux, et je te mets ça dans le bac, et ça passe à la machine, et c'est pas grave, puisque maman m'en tricotera une autre paire. Eh bien non, ça marche plus. J'ai dit, au lieu de leur demander de le mettre dans le filet, puisque apparemment le filet passe inaperçu, j'ai cousu vite fait un petit panier en tissu pour mettre les choses en laine à laver. Donc ils pourront mettre les chaussettes en laine, leurs bonnets, leurs gants, ils mettent ça là-dedans, moi je le prendrai et je le mettrai dans le filet et je le mettrai à laver et ce sera drôlement mieux. Donc là, encore une fois, j'ai pris du thermocollant semi-rigide, ce qui fait que ça se tient quand même et ça tient sur le sol. Ça fait un beau petit panier, ça fait plus beau que le filet en fait, parce que le filet il tombe. Hein. Et là, au lieu de me les mettre dans le panier à linge, ils pourront me mettre ça dans le petit panier en tissu et c'est assorti pour ma salle de bain, donc ça va très très bien. Ça, ça a été, parce que le bonnet feutré, c'est une catastrophe. Donc ça, ça a été la couture. Et maintenant, je me suis vraiment amusée aussi, mais j'ai pris plus de temps que d'habitude. J'aime bien que les choses soient finies et que ça ne prenne pas trop de temps. Mais là, j'ai vraiment pris le temps. Et ça, c'est vraiment le leitmotiv de cette année, je prends le temps. Donc, premièrement,
J'ai cousu la salopette. Alors, faut que je vous prenne le patron. C'est la salopette de You Made My Day Pattern. Il est en français. C'est la salopette du 19 janvier. La salopette pantalon. Avec des petits volants sur les bretelles. Alors, les volants, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Hein. Mais voilà, moi c'était surtout pour ça. Et c'est encore une fois grâce à Stéphanie de la Fanette au Petit Pois que j'ai eu ce patron. Puisque j'avais fait, vous souvenez, pour Poppy, la petite salopette. Vous voyez, je vais vous en montrer un modèle. La petite salopette avec les petits volants sur le côté, sur les bretelles. Et donc, je disais que j'aurais aimé moi aussi avoir une salopette comme ça. Et elle m'a trouvé le patron. Bien sûr, j'ai tout de suite craqué. J'ai acheté le patron et je l'ai réalisé. Alors, j'ai acheté le tissu chez Tissu du Renard. Et j'ai vraiment, vraiment aimé mon expérience chez eux. J'ai acheté un coton Aspect Jean qui est juste parfait pour ce modèle. Alors, je l'ai fait, mais je vais vous dire un petit truc. Il me reste, ça c'est pas bien, j'aurais dû le faire pour vous montrer, mais j'ai pas eu le temps. Il me reste les boutonnières à mettre. J'ai pas eu le temps de les coudre. Donc voilà ce que ça donne. Je vous la montrerai de toute façon, je vous la montrerai en grand. Voilà ce que ça donne pour la salopette. Le haut, vous voyez les boutons, je les ai pas mis derrière. Donc, les volants pour les bretelles. Et c'est ce qui est intéressant aussi, le pantalon. Avec les poches ici, qui sont juste géniales. Le bas du pantalon, qui est un petit peu ouvert, elle est juste magnifique. Vous voyez, il y a une fermeture sur le côté. Je suis quand même contente parce que c'est la première fois que je couds un pantalon. Et les explications de ce patron sont vraiment géniales. Le patron, il tombe juste, mais juste. Je vous dis, moi, je suis entre deux tailles et en bas, je mets 38. Et en haut, je suis entre deux. C'est difficile hein, de s'habiller quand... Enfin, de s'habiller, pas de s'habiller, mais je veux dire, de se coudre des vêtements quand on est entre deux tailles comme ça. Et on vous dit toujours, j'ai des pots de laine qui me chatouillent. Voyons. On se dit toujours, c'est toujours marqué dans les patrons que si on a un doute, il vaut mieux prendre la taille du dessus. Donc moi, je prends 38. Donc là, j'ai pris 38 et j'ai bien fait. Parce que pour le pantalon, c'est juste impeccable. Au niveau des marges de couture et tout, c'est juste impeccable. Donc, faut pas que je prenne de poids parce que sinon, je rentre plus dedans. C'est dommage quand on passe du temps. Le tissu, il est impeccable. Il n'a pas bougé. Il est parfait à coudre. Vraiment, j'en avais pris 3 mètres. Mais j'en ai utilisé un peu moins de 3 mètres. J'en ai utilisé, je pense, 2 mètres 50. Et vraiment, oh, j'ai adoré faire cette salopette. Vraiment, elle est très facile à suivre. Elle est classée 2 étoiles sur 3. Mais je vous dirais qu'avec les explications qui sont données, c'est top du top. Et je pense que je vais la faire en taille 34 pour ma fille. Parce qu'elle est quand même chouette. Donc je lui ai pris du velours Milleray. Du velours côtelé tout fin. Brun pour lui faire une belle petite salopette comme ça. Ça c'est chouette. C'est un patron que j'ai adoré. Je vous montrerai le détail après. Hein. À la fin de la vidéo, vous aurez vraiment des petits zooms sur tout ce que j'ai fait pour ce podcast. Ça a été vraiment le patron coup de cœur et je peux vous dire que tout tombe juste. Maintenant, je vous parle de ma déception. Et là, je vous dis, il faut pas que je prenne de poids. Alors, j'ai fait une cure de chocolat. Merci Annabelle. Mais je fais du sport aussi pour entretenir ma ligne, pour rester dans ma salopette. Genre, je vais mettre ma salopette tous les jours devant mon garde-robe pour me dire, il faut que je rentre dedans, faut que je rentre dedans, faut que je rentre dedans. Et en fait, parce qu'elle est vraiment juste. Elle tombe juste. Et un petit peu de poids de trop et je pense que je rentre plus dedans. Parce qu'elle est un peu serrée au niveau de la taille. Et donc, je fais de la gymnastique à la maison. Et vas-y que je te fais de la gym, etc. etc. Et j'ai dû tellement en faire que j'ai maigri des épaules. N'importe quoi. Bref, je suis déçue. Vous voyez ma dernière couture que j'ai faite. C'est cette robe que je porte aujourd'hui. Qui est, je vais vous montrer. Je suis désolée, je me baisse à chaque fois, mais j'ai tout autour de moi. C'est la Basic Dress de Anne Cardiles, qui est en français, qui est un modèle payant aussi. Donc la Basic Dress, ça veut dire robe basique. Pour moi, dans mon esprit,
basique, c'est la base. C'est simple. C'est la base, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, point positif, c'est que toutes les finitions, et je vous dis bien toutes les finitions de cette robe, sont absolument numéro 1. Vraiment, il n'y a rien à dire. Les coutures anglaises, ça fait juste un modèle propre. Vraiment. Mais alors, au niveau de la taille, j'ai fait du 38. Et je me dis que quand je fais une robe ou un haut, je devrais faire du 36. Parce que là, vraiment, en bas, 38, ça va. Mais alors, en haut, 38, ça ne va plus. Donc, regardez un petit peu au niveau des épaules. Alors, j'ai mis un gilet parce que bon, j'ai éteint le chauffage pour pas qu'il y ait de bruit. Mais j'ai éteint le poil. Mais je suis trop déçue parce que j'ai tellement bien bossé. Déjà, c'est une taille 38. Si je fais du 36, j'ai très très peur que la robe soit en fait plus qu'une tunique. Hein, parce que bon, elle est quand même courte. Vous avez possibilité de la faire en 3 ou 4 modèles. Vous avez la robe avec 2 volants en bas, la robe avec un seul volant, c'est celle que j'ai faite. Vous avez la tunique et la tunique, que je ne dise pas de bêtises, la tunique avec un volant, enfin le haut avec un volant et le haut sans volant. Bah moi j'ai fait la robe avec un seul volant parce que par rapport au tissu que j'avais, j'avais très très envie d'utiliser ce tissu, comme le tissu que j'avais utilisé pour copier, mon velours Milleray imprimé que j'avais eu chez Mondial Tissu il y a quelques années. Donc je me suis dit c'est parfait. Alors je vais me lever, je vais vous montrer, la robe est courte. Ça va que je suis petite, mais quelqu'un qui est grand, moi je vous dis il faut tout de suite rallonger. Personnellement la prochaine fois que je vais la faire, puisque je la referai, je vais la faire beaucoup plus longue. Parce que vraiment, je trouve que c'est court. Après, si on met un leggings en dessous avec des bottes, ça peut aller. Moi, j'ai mis avec des collants et des bottes, je peux vous dire, ça fait court. Donc, je vous montre. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ferai un zoom après. Bon, bref, la robe est courte. Elle est très bien. Regardez, si je fais ici, là, du 38, c'est juste parfait, quoi. Je veux dire, je suis bien, je suis à l'aise, je peux avoir le ventre qui gonfle, tout ça. je suis parfaite, hein. Donc là, c'est bien. Mais au niveau des manches, il faut garder les manches en bas. Parce que dès que vous bougez, bon bah c'est sûr ça remonte et puis c'est un petit peu loose ici. Mais c'est très joli. Ah, la finition des manches est très belle. En plus, j'étais fière de moi parce que j'ai réussi à faire mes manches impeccables. Mais alors, si vous regardez bien, les manches ici, elles tombent. Je veux dire, normalement, il me semble que les manches devraient être comme ça. Non ? Ou alors c'est moi qui me trompe, hein, mais normalement ça devrait être un peu plus haut. Alors j'ai respecté les marges de couture, j'ai tout bien respecté, hein, et le patron, j'ai vraiment pris mon temps, hein, il est vraiment impeccable. Ça, on peut pas dire quand même, bon, c'est pas pour une débutante, elle l'a classé 3 étoiles sur 4, donc c'est pas pour des débutants. Ce que je trouve dommage, puisque c'est marqué basic dress. Je m'attendais dans mon esprit à ce que ce soit basique, donc simple. Elle paraît simple, c'est pas grand chose. Mais il y a des petites subtilités, par exemple les ouvertures là ici de manches indéchirables. Je vous dirais que je suis allée voir le tuto de Monasso. Ce que vous allez peut-être dire Monasso ou Monasso, hein, Monasso hein, en France. Monasso. Bref, elle a des tutos sur YouTube et je trouve que c'est juste parfait, elle explique très très bien. Donc j'ai fait les manches indéchirables, je suis super fière. J'étais contente de réussir mes boutonnières. Les finitions, tout tombe très très bien. Le col tunique ici, là, comme ça, là, le col, c'est juste merveilleux. Quoi. Je veux dire, regardez, la finition, elle est extrêmement belle. J'ai mis un petit maillot en dessous parce que c'est quand même pas mal échancré. Et le velours Milleray, c'est pas super chaud. Hein. Moi, la coupe de la robe, je la trouve parfaite et tout, mais ça me gêne, c'est aux épaules. Parce qu'on dirait... Il faudrait que je fasse toujours hey. Attention à qui vous vous adressez, hein. Jojo les gros bras. Non mais c'est vrai, quand on est comme ça, on dirait que c'est trop grand. Donc c'est un petit peu le truc qui me gêne. Alors je sais pas, faut que je réfléchisse, parce que si je fais plus petit, j'ai peur d'être vraiment serré, vous voyez quoi. Si je fais 36, j'ai peur d'être juste. Donc je sais pas, c'est à réfléchir. Avec un gilet par dessus, ça se voit peut-être moins. Cela dit, la robe, elle est superbe.
Elle est vraiment belle. La finition, oh, j'ai jamais eu une couture aussi bien finie, quoi. Je veux dire, les coutures anglaises, j'ai adoré. Adoré. Donc, je la referai dans un autre tissu. J'ai bien envie de me la refaire. En rallongeant le volant du bas. Et en faisant attention aux manches. Donc, ouais, à réfléchir peut-être. Si vous avez une solution pour moi, hein, mettez-le en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Peut-être coudre des marges de couture plus larges. C'est-à-dire si au lieu de faire 1 cm, peut-être faire 2 cm. Je gagnerais peut-être un peu. Ça me permettrait de remonter mes épaules. Et si, mais le problème, c'est que si je remonte les épaules, ça remonte les manches, quoi. Après, on peut mettre les menottes. Voilà. Donc, je sais pas. Mais voilà, c'est la couture que j'ai faite et j'étais très ravie. J'ai pris en fait, j'ai adoré prendre mon temps. Et ça fait un beau résultat, vraiment. Oh là 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 là, ça tombe super bien. J'adore. Oh, j'ai adoré faire cette couture. Et j'ai d'autres projets pour les mois qui suivent. Donc voilà, ça c'était au niveau de la couture. Couture toujours avec un petit projet que j'ai terminé. Alors, deux petits projets. J'ai cousu. Donc vous avez, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez regardé mes anciens podcasts, j'avais cousu Luna Lapin, qui est ici le petit lapin. Et j'ai donc acheté les deux, oups, tout qui tombe, j'ai donc acheté les deux autres livres de la collection. Sincèrement, pour l'avoir fait, j'en suis pas extrêmement fan. J'ai adoré faire Luna Lapin. Et là, j'ai fait la souris. Et bon, c'est pas ma préférée. Pourtant, je suis déçue parce que j'aime beaucoup les souris. Donc, j'ai fait la souris, qui est l'amie de Luna Lapin. Donc, vous voyez, elle est quand même assez grande. J'aime bien toujours le système d'assises, les petits pieds. Et franchement, non, mais j'ai bien aimé quand même la faire. Je l'aime beaucoup. Mais j'ai trouvé que les finitions, au niveau du, notamment au niveau du nez, et vous le verrez sur les photos, au niveau du nez, c'est moins joli que pour le lapin, par exemple. Même au niveau des oreilles et tout, je trouve que le lapin, Luna Lapin est vraiment très 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 joli. Et la souris, alors j'ai toujours pas habillé, hein, mais voilà, ça reste des petits projets que j'ai envie de continuer à faire. Je serais curieuse quand même d'essayer d'autres. Le renard, enfin le chat, je trouve qu'il fait moins délicat. Regardez si je vous montre de près. Vous avez le lapin, qui est quand même très très joli. Vous avez la souris que j'ai faite, que je trouve quand même, voilà, pas pire, mais c'est pas, je m'attendais à mieux. Et alors le chat, quand vous regardez de près, moi je trouve qu'il est moins ravissant. Le blaireau est sympa par contre. Le renard, voilà. Donc c'est à voir, à essayer, pourquoi pas, faut voir, faut vraiment essayer. Par contre, les modèles de vêtements, j'ai pas encore fait, faudrait que je m'y mette, mais chaque chose en son temps, hein. Ça c'est vraiment pour le fun. Donc voilà, ça c'est une petite couture que j'ai faite, qui se rajoute à la collection, et j'ai tellement hâte d'avoir mon petit bureau pour mettre toutes mes affaires et bien les exposer. Voilà. Et enfin, je vous montre un petit peu la broderie où j'en suis. Alors, j'ai agrandi, vous vous souvenez, j'avais fait ce petit truc, ce petit cottage là, ce petit morceau ici au milieu en broderie. Et j'ai donc décidé de l'agrandir, puisque ça s'appelle la toile du souvenir. J'ai décidé de l'agrandir, d'y mettre des tissus qui me plaisent vraiment. Et de coudre un carré qui va ensuite être doublé à l'arrière, rembourré par une ouate, et ça va faire comme une toile qu'on accroche, en fait, une toile en tissu qu'on accroche. Et donc j'ai rajouté, donc vous voyez, des morceaux de lin, des morceaux de tissu. Je me suis amusée à faire des petits carrés en bas. J'ai rajouté, donc ça c'est des Liberty, ici c'est du Liberty. J'ai rajouté des tissus comme celui-ci là, le bleu, avec, si vous le voyez, je vais vous montrer de près encore une fois, il y a des petits oiseaux dedans. Alors, que je tombe sur le petit oiseau, non, on a juste les, alors vous voyez les fleurs, et je pense que les petits oiseaux, oh ben non, on les voit pas, on voit juste les petits corps des petits oiseaux, vous voyez, ici,
On voit juste le petit corps du petit oiseau ici. On les voit pas assez. Dommage. Bon, là ici c'est du Liberty. Ici c'est un petit coton fleuri qui va très bien. Et vous voyez que ici j'ai préparé la broderie. Alors vous voyez, je vais vous montrer ça. Hop, j'ai préparé deux oiseaux, puisque c'est ce qui me tient à cœur. J'ai rajouté, donc là ici ça va être brodé, hein. Ici j'ai rajouté des bandes, une bande de coton crocheté, ici en bas aussi, hop, une bande de tissu Liberty qui me plaît vraiment 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 beaucoup, qui fait un peu comme un champ, et là, oups, c'est en train de se sauver en fait, je vais remettre ça pour pas les perdre. En fait ici, j'ai mis, vous voyez je les ai juste épinglés parce que je voudrais les coudre à la main, vous voyez comme j'aime beaucoup la couture à la main. Dans mes carrés de lin que j'ai fait autour dans ma toile, j'ai laissé donc des places pour l'instant vierges. Hein. Ici en haut, il y aura mes oiseaux qui vont être brodés. Et sur les côtés et tout en bas, il y aura aussi des broderies qui sont faites. J'ai rajouté, et si vous le voyez ici, des petits morceaux de dentelle. Et c'est la même personne qui m'a fait le petit coussin à aiguilles, qui m'a envoyé des petites chutes, des petits morceaux de dentelle comme ça, que je trouve ravissant. Et comme je suis quelqu'un de sentimental, mais pas sentimental, quand je suis quelqu'un de sensible, on va dire, ça me touchait tellement que j'ai décidé de les mettre dans ma toile de souvenir. Parce que c'est des moments importants pour moi, j'ai fait des belles rencontres, et il y a des personnes qui sont très gentilles. Et j'ai envie de garder ce souvenir. Et donc j'ai mis, alors je ne les ai pas cousus encore, mais je pense les inclure, vous voyez, dans ces petits carrés sur les côtés, inclure ces petites bandes de dentelle qu'on m'a offert. Comme ça, ça fera une toile de souvenirs vraiment avec des choses précieuses. Des souvenirs précieux. Donc voilà, ça prend forme et ce sera sa taille définitive en fait, hein, pour accrocher sur un mur. Donc ça, c'est un projet qui est en cours encore et que j'aime prendre le temps de faire. Et enfin, en broderie, je vais vous montrer, j'ai avancé, je suis en train de faire un abécédaire. Là, je vous en parlerai un petit peu plus précisément quand j'arriverai au bout, puisque j'espère vous le rendre disponible. Et c'est un abécédaire sur le thème du thé, avec des fleurs, des accessoires pour le thé, etc. Donc ça, c'est pareil. J'aimerais pouvoir l'avancer pour le terminer et vous en parler plus longuement. Je vous montre un petit peu plus en détail. C'est absolument magnifique de faire un abécédaire. Vous voyez, le C est en cours. Je m'amuse vraiment à faire ça. C'est extrêmement, extrêmement reposant de faire un abécédaire. Et franchement, entre nous, c'est super joli. C'est pareil, hein, ça fait partie des... on dirait pas des traditions, mais je veux dire, tout le monde avait un abécédaire avant. Vous voyez, les petites grand-mères avaient toujours un abécédaire chez elles. Moi, j'ai souvenir de ça, là, des abécédaires en point de croix, brodés et tout. Et c'est très, très beau de garder nos traditions. Voilà. Ah, ça fait beaucoup de choses, hein. Pouf, j'ai plus de voix. Mais j'ai encore des choses à vous dire. Ce que j'ai à vous dire en plus, c'est que je me suis aussi mise à travailler la laine cardée. J'ai eu cette grosse envie en regardant après un podcast de Jules, So Sweet Violet, qui avait commandé un kit sur Etsy pour faire un petit lapin en laine cardée, magnifique. Et j'étais tentée pour le prendre, ce lapin. Et puis je me disais, ouais, non, bon bref, je me suis posé beaucoup de questions et je me suis dit, mais tant qu'à faire... je veux dire, je vais commander la laine cardée et le matériel, et pourquoi pas me lancer. Et pourquoi pas commencer par des oiseaux, puisque je me suis dit, après tout, un oiseau, ça ne doit pas être si compliqué que ça, et ça l'est, mais pas tant que. Et finalement, j'ai commandé sur le site Aux Merveilles, et j'ai été agréablement surprise, c'était chouette. Hein. Et j'avais commandé ce livre, Mes jolis oiseaux, en laine cardée, vous voyez,
Il y a plusieurs modèles. Je vous montre un petit peu. Regardez la couverture d'arrière. Vous avez plusieurs modèles. Ils sont chouettes. Et j'ai essayé de faire une mésange. Elle n'a pas terminé. Je n'ai pas les pattes. Puisque en fait les pattes c'est une technique avec des fils de fer. Et j'avais essayé de faire les yeux mais ça ne marchait pas. Donc il faut que je recommence à faire les yeux. Mais voilà ce que ça donne. Bon bah c'est une première hein, c'est une première, je veux dire j'ai jamais touché à ça, donc je me dis pourquoi pas, c'est super sympa à faire, c'est une technique, je suis pas encore bien raffinée dans mon détail, j'aimerais vraiment plus passer plus de temps, et d'ailleurs c'est vrai que en plus j'ai pas toutes les couleurs, donc quand on fait quelque chose il faut réfléchir aux couleurs, parce que vous pouvez pas vraiment bien avoir les couleurs, bien mélanger. Mais bon, cela dit, voilà ce que ça donne. Mon petit oiseau en laine cardée. La tête, la tête est trop drôle. Mais le corps, il est super beau, la couleur est belle. Et, donc j'ai envie de le terminer parce que c'est mon premier. Et je vais en faire d'autres. Donc, j'avais dit à notamment Annabelle, qui m'avait envoyé un message pour me demander comment ça se passait. C'est tout à fait faisable. Il y a des explications. Alors vous avez l'explication de base dans le livre, dans celui-ci, là, les oiseaux en laine cardée. Vous avez les explications de base et vous avez les explications selon l'oiseau. Donc voilà, vous avez la base et l'oiseau. Et si vous allez voir pour tel ou tel oiseau, donc admettons si je vais voir pour la perruche, ils vont dire allez voir les trucs de base, allez voir les trucs de telles ailes. Alors ça c'est un petit peu gênant parce que vous devez faire des allers-retours sans arrêt. Mais sinon, ça se fait bien. Ça se fait bien. Il faut faire super attention parce que les aiguilles sont très pointues et on se pique. Et ça fait très mal. Mais sinon, franchement, je vous dis, les modèles sont absolument magnifiques. Quoi. Je veux dire, vous voyez, les explications sont en photo. C'est une technique, hein. C'est une technique à prendre. Je veux dire, il n'y a pas de vraie complexité. Moi, j'ai vraiment eu du plaisir à le faire. J'ai pas terminé. Il me reste encore des petites choses à faire. Mais bon, j'ai bien aimé. Bon, elle n'est pas parfaite, ma mésange. Mais bon, voilà. Je suis contente de moi quand même. J'aime bien. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai aimé. Ça m'a donné des idées. En fait, si vous voulez, il y a la forme, il y a l'oiseau qu'on forme. Ça peut être un oiseau, ça peut être autre chose. J'ai eu des idées. Et après, quand on prend la technique, et c'est ça qui est chouette, c'est quand vous avez compris la technique, vous voyez un petit peu ce que ça vous donne au niveau de la forme, etc. Après, vous pouvez faire plein de trucs. Et ça, c'est vraiment juste génial. Après, il y a peut-être un peu de matériel à avoir. Moi, j'ai la mousse, les aiguilles, tout ça. Je pense qu'au niveau des pieds, quand ils vous disent de prendre tel truc, prenez-le. Parce que moi j'ai essayé avec de l'eau de fil de fer et ben c'est pas terrible. Sauf que bon ben si vous connaissez des boutiques où on peut trouver des choses en laine cardée, faites-moi signe. Parce que j'ai trouvé donc la boutique aux merveilles, je sais que chez Butinette ils en ont un petit peu, mais je manque un peu de matériel. Donc je sais pas, à voir si ça vaut la peine ou pas, mais en tous les cas, moi j'ai adoré ce livre. J'ai bien aimé et c'est une technique à prendre. Je peux pas dire c'est facile. Parce qu'il faut apprendre la technique, mais une fois qu'on a appris la technique, bien ça l'est facile. C'est très agréable. Enfin, c'est rigolo de. Et ça prend du temps. Hein. Ça prend plus de temps qu'on pense. Je pensais que ça allait vite. Et en fait, ça prend beaucoup de temps. Il faut savoir doser. Et après, on voit les traces d'aiguilles. Puis on se dit, oh, mais c'est moche, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Et après, la laine, elle reprend sa place et ça fait tout dufteux, tout velouté. Oh, c'est extrêmement agréable à manipuler, voilà, j'ai plein d'idées, j'ai assez de laine cardée pour faire mes idées, et puis après, je me remettrai à avoir du matériel, et on verra la suite. Mais bon, ouais, c'est pas mal quand même à regarder, hein. C'est la mésange là, je suis presque prête, hein. Presque prête à avoir la même mésange, la mienne est peut-être un peu grosse, elle a peut-être des ailes un peu épaisses, mais voilà, ça c'était vraiment le truc plaisir que je me suis fait, vraiment une découverte et que j'ai aimé faire. Et voilà, c'est tellement... j'espère que j'ai rien oublié parce qu'il y a tellement de choses à vous dire, tellement de choses à vous montrer. Encore plein de choses, revenez le mois prochain parce que j'aurai d'autres choses.
J'espère que ça vous a plu. J'espère que voilà, que j'aurai eu assez de matière, je pense, pour vous montrer aujourd'hui dans le podcast tout ce que j'ai fait. Et j'espère que la nouvelle façon de faire va vous plaire aussi, d'avoir le podcast en début de mois et aussi à la moitié du mois d'avoir un petit truc venez avec moi dans mes projets. Et voilà quoi, j'espère que vous allez bien surtout. Je vous ai même pas demandé si vous alliez bien, j'espère que ça va. Il faut tenir le coup. Et nous ici, bien écoutez, on continue aussi. Là, je pense à plein de projets, je pense à vous. Il y aura des belles choses à venir. J'aurai encore des choses à partager, des petits patrons de broderie, des patrons de tricot, de couture, tout ça. On va bien s'amuser cette année. Je vous remercie d'être encore là et de me suivre et de me soutenir et de m'encourager et de me faire des petits coucous et de me faire rire parce que vous me faites parfois rire. Et pour tout vous dire, mon fils va bien, hein, on est toujours en train de faire suivre par le médecin, son allergologue, donc je vous en donnerai des nouvelles. Mais il va bien, il mène sa petite vie de petit garçon, ma fille va bien, voilà, bientôt ils vont me dépasser, hein, remarquez, il n'y a pas trop de mal, puisque je ne suis pas très très grande non plus. Pour les personnes qui m'envoient des petits messages, le chien va bien, je ne l'ai pas rentré, alors il veut rentrer, je vais le faire rentrer après, mais je ne l'ai pas rentré parce qu'en fait il aurait piétiné tout mon travail, donc lui c'est un gros bébé, donc avec le fauteuil il me serait grimpé dessus, et il n'aurait pas été cool pour vous parler, mais il va bien, les enfants ont profité un peu de la neige, malheureusement tout a fondu déjà, et voilà, donc voilà un petit peu pour la suite, pour le blabla, pour l'année, et j'espère que tout va bien aller et que vous allez continuer à prendre soin de vous. En tout cas, on se retrouve bientôt. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt avec plein de nouveaux projets.